Ouf. La salle des alignés avec le nouveau tueur. Donc, je disais, le concept du nouveau tueur est le suivant. C'est un clown qui a une arme courte avec un couteau et dont la possibilité secondaire est d'utiliser une fiole d'illusion. Et oui, tu vas passer là. Oh oui, c'est dommage. Double. Repasse par là si tu le veux. La fiole d'illusion consiste à... donc, ralentir le survivant qui la traverse. Il y a des effets secondaires selon les objets ou les offrandes que tu mets. Oh, pas mal. Bah non. Ouh, c'est pas mal. Et donc, une fois qu'on utilise la fiole, ou les trois fioles, eh bien, il faut recharger. Les possibilités sont nombreuses. Le gameplay est différent parce que on peut conditionner l'évolution, le parcours du survivant. Là, en l'occurrence, je l'ai empêché. Moi, je l'ai influencé pour pas qu'il emprunte un chemin que je ne voulais pas. Et là, la compétence spéciale du tueur, qui est très violente, consiste à réduire de 20% la progression du moteur une fois que j'ai accroché un survivant. J'aurais pu très bien, parfaitement, memento le survivant. Mais non. On sent qu'ils se savent proches. Et par là-bas, ils sont probablement en train de pouvoir le gagner. Attention! Eh bien alors... parfait! Non, non, non. Non, non, non. Tu veux vraiment la protéger? Vraiment? Soit. Coucou. Mauvaise idée. J'ai dit quoi? J'ai dit mauvaise idée. Toi, je t'ai déjà accroché. Je vais pas utiliser mes mentos sur toi. Hors de question. Je vais utiliser un petit crochet. Juste ici. J'ai pas besoin, j'utiliserai le mento sur quelqu'un d'autre. Eh bien alors. Eh bien alors. Eh oui! J'espère qu'on passera à côté d'un petit moteur. Bien, dis donc. Coucou! Tu saignes par ici, c'est ça? Demandez-vous directement par là. Hein. Hop. Salut, ça va? Plus qu'un moteur. Un seul. Où est-ce qu'elle est? Ok, ok. Non. Eh oui! Adieu. Adieu ou pas adieu? Non, pas adieu. Il faut que quelqu'un te raccroche. Juste ici. Tentons. Voyons voir. On essaie de réparer ce moteur? Non, on essaie de réparer les autres moteurs ici. Quelqu'un va venir t'aider? Je ne sais pas. Est-ce que la solution va être dans le retournement? Ok. Non.
oui. Tu crois quoi vraiment que je vais m'éloigner? Salut. Mais oui. Ah. Et bien alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est impossible, je t'emmène à la cave. Eh oui. Oh, c'est tellement sale. Normalement, on devrait pouvoir largement réparer le dernier moteur. Hein. La question est de savoir si s'ils vont lui sauver la vie, je ne sais pas du tout. Oh. Maintenant, il faut que j'aille voir un moteur et que je le fasse régresser pour lui apprendre la vie. Petit moteur par là qui tente de te réparer? Non. Par là-bas? Oui. Probablement. Le moteur en face. Ils ont tenté de réparer. Non! Je vais aller chercher madame. Quelqu'un va tenter de la sauver. C'est vite sale. C'est très vite sale. Où est-ce que vous êtes, les petits chenapans? Oui! Eh bien oui! Vous allez tenter de les sauver? Oui ou non? Oh, ok! J'ai vu une ombre qui file dans la nuit, tel un assassin qui surgit! J'arrive vous assassiner d'une belle mort! Pique et pique et collégramme! Bourré, bourré, ratatam. J'ai encore un petit memento qui ne demande qu'à être utilisé. Non. Oui. Ah, je crois que je n'en ai vu un juste ici. Salut, mon gars! Dis donc, tu ne voudrais pas mourir? Youhou. Hello? Non, 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 non. Ok. Ouh, juste ici. Gageons que quelqu'un va venir te sauver. Mais la perk qui réduit de 20% la capacité de progression du moteur et en plus de tout ce que c'est pourrait générer comme par exemple là, typiquement. C'est très, très violent. J'espère tellement qu'il va lui sauver la vie. Allez, fais quelque chose. Va lui sauver la vie, bougre d'âne. Où est-ce que tu es? Oh! Très bien. Non, pas vers moi. Mauvaise idée. Ok! C'est toi que je veux. L'autre. Hello, Bulma. Vraiment? Na 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 na.
l'autre est tuable. Et alors? Oui. You. Hello. Un coup. Hop. Oui, on peut dire qu'il y avait planche. Allez. Alors, juste ici. Pourquoi pas? Tu es vraiment dans le coin? Tu es vraiment dans le coin? On va quand même casser les planches qui sont trop, hein, comme par exemple celle-là. Oh! Vous ici? Mais dis donc! Vous souffriez en silence! Est-ce vraiment raisonnable? Petite course-poursuite sans aucune camp. Est-ce qu'elle va vouloir revenir vers moi ou pas? Très mauvais choix! Parce qu'elle a été bloquée par cet endroit. Oh! La violence est garantie. Je peux la tuer ou pas? Où es-tu? Hauteur. Oh, la trappe. Oh, j'ai envie de... Oh, ok. J'ai envie de faire un truc. Je le sens sale. Hello, Johnny John. Ah, tu t'es mis le doigt dans l'œil. Moi, j'ai mis le tien dans ma bouche. Donne-moi d'abord la trappe. Alors. Oh! Salut, mon petit bonhomme! Eh bien, dis donc, tu apprécies la bêta? Est-ce que tu trouves que ceci est un combat à armes égales? Est-ce que tu fuis? Si oui, par où? Dis-moi à quel point tu apprécies le niveau de jeu. Est-ce que vraiment c'est un jeu que tu apprécies? Eh ben dis donc, est-ce que le gameplay est délicieux? J'ai envie de dire que... Oh oui, sens unique. Ah. Ok. C'est tellement sale, je valide pas la fermeture de trappe par un tueur, car c'est vraiment sale. Mais le plaisir est présent cependant, et le plaisir c'est important, même si j'espère sincèrement qu'après la bêta, ils feront faire autre chose à cette capacité folle d'invalider la trappe.